Christliche sont là. Les ministres. Les ministres sont là. Applaudissez, mes amis, applaudissez, applaudissez, applaudissez. Applaudissez. Nous sommes les vice-ministres. Les vice-ministres. Les vice-ministres. Les vice-ministres sont là. Très bien. Ok, les vice-ministres. Les excellents. Les excellents. Les ministres du nouveau gouvernement. Les gouvernements des services publics. Les gouvernements d'Union nationale, les gouvernements de l'Orient, les ministres, suivez l'alignement ici, les ministres, les gouvernements de l'Orient, les gouvernements de l'Orient, ok, très bien, on a pas de problème. Maintenant, de la présidente du Parlement. Le Parlement a une présidente. La présidente du Parlement. La présidente du Parlement, on a tenu. La présidente du Parlement. La présidente du Parlement. La présidente du Parlement, l'honorable Madaga, la présidente du Parlement, la présidente du Parlement, la présidente du Parlement va s'installer. On a prévu, on a prévu, on a prévu. Maintenant, nous assistons aux deux vice-présidents, les deux vice-présidents des élèves. Bon, entrez, on applaudit les deux vice-présidents, les deux vice-présidents, les deux vice-présidents de Belém, les deux vice-présidents de Belém. On applaudit très fort, on applaudit les deux vice-présidents de Belém. Suivez l'autre, suivez, suivez. Les deux vice-présidents, applaudissez les amis, je ne sens rien. Là, je ne sens rien. Là, je ne sens rien. Applaudissez les deux vice-présidents. Les deux vice-présidents. Et maintenant, on se lève. On se lève pour accueillir le président Cotelé. Le président Cotelé. Le président Cotelé. Bambuta. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour infini. Nous voilà réunis dans cette salle pour procéder à l'investiture de nos élèves. Nous voulons implorer l'assistance de ton esprit, que cet esprit puisse nous aider de telle sorte que toutes les activités de ces jours
puisse se dérouler dans la paix et le calme. Bénis chaque personne qui se trouve en ces lieux et accorde-nous la grâce de travailler tous les jours pour le bien des enfants, pour le bien des élèves que tu nous as confiés. Par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, notre Mère et la Mère de l'Église, nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. S'il vous plaît. Nous allons passer à l'exécution de l'hymne national d'abord, puis de l'hymne de l'école. Oh.
sommes là pour investir le gouvernement des élèves. L'hymne de l'école que nous venons d'exécuter a été composé par le Béa, les grands poètes, les cinq à cinq heures, père administrateur pour un mot de circonstance. Protocole. Ok. L'école s'est organisée pour tenir cette activité. Voilà pourquoi je voulais vous souhaiter la bienvenue au sein de notre complexe scolaire Saint-Sacrement. En cela, nous rendons grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui, dans son amour incommensurable, nous a donné le souffle de vie pour que nous puissions nous retrouver ici, aujourd'hui, dans cette salle. Vous voir ici nombreux, chers parents, chers élèves, est une marque de confiance que vous faites à notre école. Et déjà, l'organisation de cette activité démontre dans quelle mesure les autorités scolaires, les enseignants travaillent pour que ces élèves, un jour, puissent rendre un service noble au sein de la société. Raison pour laquelle j'en profite pour vous dire et vous demander de continuer à nous faire confiance. Et là, je vous rassure que vous avez fait les bons choix, les choix que vous avez portés sur notre école. Et chaque jour, tous les jours, nous allons travailler, bec et ongles. Chacun de nous sera obligé de retrousser ses manches pour transmettre à ses élèves une éducation basée sur la morale chrétienne, une éducation basée sur des valeurs civiques et morales pour que ses enfants soient l'espoir de demain. Soyez le bienvenu parmi nous et que le bon Dieu nous garde. Merci. Mbambo Yannick pour la lecture de l'acte décisoire numéro 001. Acte décisoire numéro 001 /DP/CSSS/CE/KMM du 26 octobre 2022 portant désignation des conseillers du Parlement des élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement. Les directeurs chefs d'établissement, vu l'arrêté interministériel numéro /MIN/CABMIN/0310 du 28 septembre 2008, instituant les comités des élèves au sein des établissements scolaires d'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo, vu l'arrêté départemental numéro 2EPS/CCE/001/00346/88 du 17 janvier 1988 portant attribution d'un chef d'établissement scolaire, spécialement dans son article 5, considérant le PV des opérations de vote et de dépouillement des chefs et sous-chefs de classe du complexe scolaire Saint-Sacrement, considérant la fiche des résultats des chefs et sous-chefs de classe du complexe scolaire Saint-Sacrement, sur proposition du directeur adjoint et du conseil de discipline, décide. Article 1er. Sont élus députés et sénateurs. Les élèves ci-après. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 26 octobre, le 25 novembre 2022, sœur Marie-Josée Kiliobo Mputu, directrice chef d'établissement. On applaudit M. Yannick pour rester là. Il reste là pour nous lire l'acte décisoire numéro 002.
Acte décisoire numéro 002/DP/CSSS/CE/KMM du 26 octobre 2022 portant désignation des membres du bureau du Parlement des élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement. Les directeurs chefs d'établissement, vu l'arrêté ministériel numéro MIN/CAB/MIN/0310 du 28 septembre 2008, instituant les comités des élèves au sein des établissements scolaires d'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo, vu l'arrêté départemental numéro DEPS/CCE/001/00346/88 du 17 janvier 1988, portant attribution d'un chef d'établissement scolaire, spécialement dans son article 5. Vu la décision numéro 01/DP/CSSS/CE/KMM du 26 octobre 2022, portant désignation des conseillers du Parlement des élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement. Considérant le PV des opérations de vote et de dépouillement des membres du bureau du Parlement du complexe scolaire Saint-Sacrement, considérant le fiche des résultats des membres du bureau du Parlement du complexe scolaire Saint-Sacrement, sur proposition du directeur adjoint et du conseil de discipline, décide. Article 1er. Il a été organisé les élections des membres du bureau du Parlement du complexe scolaire Saint-Sacrement le 21 octobre 2022. Article 2. Est élu conseillère générale du Parlement des élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement, Mademoiselle Badaga Nyota. Debout, on applaudit très fort. Badaga Nyota, conseillère du Parlement d'office. Article 3. Sont abrogées les dispositions antérieures contraires à la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 25 novembre 2022, Sœur Marie-Josée Mputu, directrice chef d'établissement. Acte décisoire numéro 003. Là, nous allons à présent. Je sous-signe mademoiselle Badaga Nyota, conseillère générale du Parlement des élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement 2022-2023, certifié par la présente déclaration que Mademoiselle Bambou Tamatoui Lamarise, née à Kinshasa le 15 octobre 2011, fille de M. Jean-Jacques Bambouta et de Mme Clarette Kabouni, domiciliée sur l'avenue Mbachi au numéro 29 bis, quartier Punda, dans la commune d'Engaliema, dans le cursus scolaire ci-après. École maternelle. Tous les cycles maternels à l'école maternelle Saint-Sacrement. École primaire. Des premières jusqu'en sixième année primaire au complexe scolaire Saint-Sacrement. Présentement, Mademoiselle Bambouta est élève régulièrement inscrite en sixième année primaire au complexe scolaire Saint-Sacrement. Le bureau de la commission électorale ayant été constitué le mercredi 1er octobre 2022. Celle-ci a déposé sa candidature au poste de président du comité des élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement le jeudi 6 octobre 2022 à 7h30. Après examen de son dossier, la commission électorale a retenu et a publié le nom de Mademoiselle Bambouta comme candidat présidentiable le vendredi 7 octobre 2022. Mademoiselle Bambouta a battu campagne du 10 au 14 octobre 2022 et a participé au débat contradictoire le jeudi 14 novembre 2022. Conformément au calendrier électoral et au règlement d'ordre intérieur du complexe scolaire Saint-Sacrement. À l'issue du scrutin présidentiel organisé par la commission électorale du complexe scolaire Saint-Sacrement, le vendredi 14 octobre 2022, sur les 6 challengers retenus, Mademoiselle Bambouta a été élue avec 478 voix, soit 50,8% au premier degré.
vu le compte rendu de la commission électorale du lundi 7 octobre 2022. Vu l'arrêté ministériel numéro MIN-CABMIN-0310 du 28 septembre 2008, instituant le comité des élèves au sein des établissements scolaires d'enseignement primaire, secondaire et professionnel en République démocratique du Congo. Considérant le procès verbaux des opérations de vote et des dépouillements du scrutin présidentiel du lundi 17 octobre 2022. Considérant la fiche de compilation des résultats du scrutin présidentiel du 14 octobre 2022. Je prends acte de ces résultats et invite Son Excellence, la présidente des élèves, Mademoiselle Bambou Tamatouila, ici présente, a prononcé publiquement son serment devant la directrice chef d'établissement. J'ai dit. On applaudit très fort la présidente du Parlement, la présidente du Parlement qui reste là, bouquet de fleurs. Nous invitons M. Mbambou Yannick pour le port de billets jaunes. Voilà, on applaudit. Voilà la présidente du Parlement des élèves. Ici est extraordinaire. Voilà, la présidente va rentrer. Voilà, la présidente va prêter serment sous vos applaudissements. J'aimerais que vous puissiez, vous qui avez des téléphones sophistiqués comme le mien, levez-vous, prenez les images pour suivre la prestation de serment de la présidente des élèves. Voilà, levez-vous s'il vous plaît, venez prendre les images que nous allons réunir. Nous allons suivre ça en direct de TV5 Monde, RFI, France 24, toutes les chaînes de Canal, bien souvent, Top Congo FM. Moi, Mademoiselle Bambou Tamatouila Maryse, élue présidente des élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement et de droit chef du gouvernement, je jure d'observer l'esprit et la lettre de l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en sauvegarder en toutes circonstances les acquis. Très bien. La sœur. Je prends acte de ta prestation de serment en qualité de la présidente des élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement. Mes vives et sincères félicitations. On applaudit très fort Bambouta, investi le port de billets. Voilà le port de billets. Le port de billets. Voilà. Présidente des élèves Bambouta, je vois le port de billets. Sûrement, nous allons suivre ça ce soir sur Top Congo chez Thierry Kamundi. Ça sera vraiment du show. La Bambouta, la sœur a pris hâte. Voilà le billet. Voilà Bambouta. Voilà. Si j'étais mon Congo, j'allais dire le Kimfumo. Voilà le Kimfumo. Bambouta investi. On investit. Ça, c'est le Kimfumo, monsieur Compère. Ok. Voilà. Voilà. Maintenant, on vous donne le bâton de commandement d'abord. Bâton de commandement. On applaudit. On investit. Bâton de commandement. Le règlement des élèves, on applaudit, ceci c'est pour sanctionner, punir, voilà, on applaudit très fort, Bambouta, passez, allez, votez, Bambouta, votez,
applaudit, s'il vous plaît. On applaudit, on applaudit, on applaudit. Et nous signalons que sa protocole s'appelle aussi Ramazani. Quelle coïncidence. Ramazani Moulanga. Venait d'être première de sa classe à la première période. Cette fille est d'une intelligence remarquable. Moi, mademoiselle Ramazani Moulanga Chaïda, élue première vice-présidente des élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement, je jure de travailler en collaboration avec la présidente des élèves et chef du gouvernement, d'observer l'esprit et la lettre de l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en sauvegarder en toutes circonstances les acquis. On applaudit très fort. Sur le serment, en ta qualité de première vice-présidente, et je t'en félicite. Voilà, on applaudit le billet bleu, par le billet bleu, par la présidente des élèves. On ne sait pas si c'est sa dauphine, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais le mal en est que ses enfants vont partir en septième. Voilà. Ok. Très bien. Ok. Bah, Maman Chaïda, viens ici. On applaudit pour Maman Chaïda. Ok, applaudissez. Voilà Mbongo, Mbongo Pemba. Elle aussi venait d'être première de sa classe. On applaudit très fort. Très fort. Donc les deux enfants ne sont pas de la même classe. Comprenez. Ok. Moi, mademoiselle Mbongo Pemba Paola, élue deuxième vice-présidente des élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement. Je jure de travailler en collaboration avec la présidente des élèves et chef du gouvernement, d'observer l'esprit et la lettre de l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en sauvegarder en toutes circonstances les acquis. On a SSS bar CE bar KMM portant désignation des ministres et vice-ministres du comité des élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement. Les directeurs chefs d'établissement, vu l'arrêté ministériel numéro MIN bar CAB MIN bar 0310 du 28 septembre 2008, instituant les comités des élèves au sein des établissements scolaires d'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo, vu l'arrêté départemental numéro DEPS bar CCE bar 001 bar 00346 bar 88 du 17 janvier 1988, portant attribution d'un chef d'établissement scolaire, spécialement dans son article 5. Vu la décision numéro 0305 bar DP bar C, portant désignation du président du comité des élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement, sur proposition du directeur adjoint et du conseil de discipline et de la présidente des élèves, décide. Article 1er. Il est institué au sein du complexe scolaire Saint-Sacrement un comité des élèves ayant 9 ministères, conformément à l'article 6, alinéa 6.3 de l'arrêté ministériel numéro MIN bar CAB MIN 0310 du 28 septembre 2008, instituant le comité des élèves au sein des établissements scolaires d'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo. Article 2. Est approuvée la nomination aux fonctions
au regard de leurs noms et postes et noms, les élèves ci-après. Ministre de l'Ordre et de la Bonne Gouvernance, Monsieur Kazumba Chitea. Ministre de l'Ordre et de la Bonne Gouvernance, délégué aux classes inférieures, Mademoiselle Njangu Kokolulema. Ministre des Ressources financières et matérielles, Mademoiselle Luka Songandob. Ministre de la Culture, Mademoiselle Gapira Mukayui. Ministre du Genre, Mademoiselle Mikombe Ilunga. Ministre de la Santé, Mademoiselle Kidima Kani. Ministre des Jeux, Sports et Loisirs, Monsieur Apamula Filekou. Ministre de la Protection sociale et juridique, Mademoiselle Lomama Bosawa. Article 3. Est approuvée la nomination des vice-ministres aux ministères indiqués au regard de leurs noms et postes noms, les élèves ci-après. Vice-ministre de l'Ordre et de la Bonne Gouvernance, Monsieur Bassaoul Ayenge. Vice-ministre de la Bonne Gouvernance, délégué aux classes inférieures, Mademoiselle Tokate. Vice-ministre des Ressources financières et matérielles, Mademoiselle Bitongo Makiese. Vice-ministre de la Culture, Mademoiselle Namuli Nyenyezi. Vice-ministre du Genre, Mademoiselle Mabula Gafuchi. Vice-ministre de la Santé, Mademoiselle Dianza. Vice-ministre de l'Environnement, Mademoiselle Yowa Mutaka. Vice-ministre des Jeux, Sports et Loisirs, Monsieur Ekombolo Botuli. Vice-ministre de la Protection sociale et juridique, Mademoiselle Bayama Elia. Article 4. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 25 novembre 2022, Mademoiselle Bambuta Matouila Marise, présidente des élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement. Premier ministre de l'Ordre et de la Bonne Gouvernance, je jure obéissance à la présidente des élèves et chef du gouvernement et respect à l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en sauvegarder en toutes circonstances les acquis. Très bien, on applaudit. Mademoiselle Njangu Kokolulema Naomi Geneviève, nommée ministre de l'Ordre et de la Bonne Gouvernance des classes inférieures. Je jure obéissance à la présidente des élèves et chef du gouvernement et respect à l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en se garder en toutes circonstances les acquis. Oui. Moi, Mademoiselle Luka Songandob, nommée ministre des Ressources financières et matérielles, je jure obéissance à la présidente des élèves et chef du gouvernement et respect à l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en sauvegarder en toutes circonstances les acquis. Moi, Mademoiselle Gapira Mukayi Marcia, nommée ministre de la Culture, je jure obéissance à la présidente des élèves et chef du gouvernement et respect à l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en sauvegarder en toutes circonstances ses acquis. On applaudit très fort l'élève Gapira. Okay. Moi, Mademoiselle Mikombe Ilunga Ar.
Ariel, nommée ministre du Jar. Je jure obéissance à la présidente des élèves et chef du gouvernement. Et respect à l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo. De maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école. De poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en sauvegarder en toutes circonstances les acquis. On applaudit téléphone. Nous passons à la ministre des Santé et Environnement. Protocole. Au central. Moi, mademoiselle Kidima Kanyi, nommée ministre de la Santé et Environnement, je jure obéissance à la présidente des élèves et chef du gouvernement et respect à l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en sauvegarder en toutes circonstances les acquis. Moi, Messia Pamula Filekou, nommé ministre des Jeux, Sports et Loisirs, je jure obéissance à la présidente des élèves et chef du gouvernement et respect à l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et de sauvegarder à toutes circonstances les acquis. Moi, mademoiselle Loma Mabosawa, nommée ministre de la Protection sociale et juridique, je jure obéissance à la présidente des élèves et chef du gouvernement et respect à l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et de sauvegarder en toutes circonstances les acquis. Bien, on applaudit très fort pour le moment. Moi, M. Bassao Layenge, nommé vice-ministre de l'Ordre et de la Bonne Gouvernance, je jure obéissance à la présidente des élèves et chef du gouvernement et respect à l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en sauvegarder en toutes circonstances les acquis. Voilà, Bassaoula, on applaudit. Moi, mademoiselle Tokate Précieuse, nommée vice-ministre de l'Ordre et de la Bonne Gouvernance de classe inférieure, je jure obéissance à la présidente des élèves et chef du gouvernement et respect à l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en sauvegarder en toutes circonstances les acquis. Moi, mademoiselle Biton Romakese Biliv, nommée vice-ministre de ressources financières et matérielles, je jure obéissance à la présidente des élèves et chef du gouvernement et respect à l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en sauvegarder en toutes circonstances les acquis. On applaudit très fort les images à la RFI Sirément. Moi, mademoiselle Namouli Florence, nommée vice-ministre de la Culture, je jure obéissance à la présidente des élèves et chef du gouvernement et respect à l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en sauvegarder en toutes circonstances les acquis.
On applaudit très fort. Aboula Gafouchi Lauriane, nommée vice-ministre du genre. Je jure obéissance à la présidente des élèves et chef du gouvernement et respect à l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en sauvegarder en toutes circonstances les acquis. On applaudit très fort, Maboulé. Moi, Monsieur Kombolo Botulu, nommé vice-ministre de Jeux, Sports et Loisirs, je jure obéissance à la présidente des élèves et chef du gouvernement et respect à l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo. De maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école. De poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en sauvegarder en toutes circonstances les acquis. On applaudit très fort. Très fort, le vice-ministre. Moi, mademoiselle Janza Joyce, nommée vice-ministre de la Santé, je jure obéissance à la présidente des élèves et chef du gouvernement et respect à l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en sauvegarder en toutes circonstances les acquis. On applaudit très fort pour Janza. Moi, mademoiselle Yoam Takamutombo Eloé, nommée vice-ministre de l'Environnement, je jure obéissance à la présidente des élèves et chef du gouvernement et respect à l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en sauvegarder en toutes circonstances les acquis. Moi, mademoiselle Bayama Elia, nommée vice-ministre de la protection sociale et juridique, je jure obéissance à la présidente des élèves et chef du gouvernement et respect à l'arrêté interministériel portant institution du comité des élèves en République démocratique du Congo, de maintenir l'ordre, la sérénité et la discipline à l'école, de poursuivre les objectifs de la coéducation et d'en sauvegarder en toutes circonstances les acquis. Monsieur le directrice, monsieur le directeur adjoint, monsieur le surnuméreur, mesdames et messieurs les enseignants, mes très chers condisciples, c'est avec beaucoup d'humilité que je prends la parole en cette session d'investiture du gouvernement de notre chère et belle école, le complexe scolaire Saint-Sacrement. Nous sortons d'une période électorale bien riche en enseignements. Avant de partager avec vous les grandes orientations du programme de notre gouvernement, permettez-moi de rendre à tous les autres candidates avec lesquelles je suis allée aux élections un vibrant hommage. Je leur dis que je suis la présidente de ceux qui ont voté pour moi et de ceux qui ne l'ont pas fait. Moi, votre présidente, je prends l'engagement de faire de ce gouvernement l'église au milieu du village, conformément à la devise de notre école. L'excellence reste notre destinée. Je voudrais rendre aussi un vibrant hommage à nos éducateurs, nos pères spirituels, les pères et les frères du Saint-Sacrement, ainsi que les autorités de notre école qui n'aménagent pas leurs efforts pour nous former. Nous comprenons que l'élection du président des élèves est devenue une formation à la culture démocratique dans notre école. Permettez-moi de faire une mention spéciale pour M. Serge Vumuka ainsi que M. Yannick Mbambou, qui sont les courroies de transmission de la culture démocratique dans notre école. Messieurs, merci beaucoup pour cette éducation. Révérend père, révérend sœur directrice, monsieur le directeur adjoint, mesdames et messieurs les enseignants, mes très chers condisciples, à présent, permettez-moi de présenter le programme de notre gouvernement. Le gouvernement que je mets en place en ce jour sera dit « gouvernement de l'innovation », c'est-à-dire le gouvernement qui est le vôtre, chers condisciples, va faire les choses différemment. L'innovation est une nouvelle vision, une nouvelle manière de faire les choses. Le slogan de notre campagne portait essentiellement sur les valeurs de notre école. Conformément à la devise qui est « l'excellence reste notre destinée », je vous prie de répéter après moi. L'excellence est notre destinée.
L'excellence est notre destinée. Chers condisciples, le gouvernement d'excellence, votre gouvernement, va promouvoir l'ordre, la discipline, la bonne gouvernance, la propreté, ainsi que le climat propice aux études. Ainsi donc, j'instruis le ministre de l'Ordre et de la Bonne Gouvernance, ainsi que la ministre de l'Environnement, spécifiquement Kazumba et Kidima, de faire régner la discipline, l'ordre, la propreté dans notre école. Je veux voir notre école, nos salles de classe, nos têtes et nos tenues vestimentaires propres. Je rappelle à tout le monde que nous disposons de poubelles. Arrêtons de jeter nos ordures à même le sol. De même, j'invite les différentes autorités ayant un pouvoir quelconque de se pencher sur la situation de la décharge d'ordures située dans la parcelle des Kimbangistes et qui nous envoie des odeurs nauséabondes, de nous offrir un environnement sain. Les injures, les disputes, les bagarres, ainsi que toute forme d'agression verbale ou physique n'auront pas leur place dans notre école. J'invite aussi les ministres en charge de la protection sociale et juridique à faire valoir les droits. Partout où nous serons, dans nos classes, dans la cour paroissiale, tout comme à l'église, je veux voir l'ordre et la discipline. L'école est un patrimoine commun, c'est-à-dire un bien commun que nous devons protéger. J'invite tout le monde à respecter les biens matériels de l'école. J'instruis mademoiselle Lucasso de veiller sur les biens communs, mais aussi elle devra veiller au respect des biens privés de chacun d'entre nous. Chers condisciples, nous venons ici à l'école pour apprendre. Moi, votre présidente, avant d'arriver en sixième, je suis passée par la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Je veux aussi voir l'ordre et la discipline régner dans ces classes que je viens de citer. Ainsi, j'instruis la ministre en charge des classes inférieures, mademoiselle Zhang Geneviève, à veiller sur les conditions d'apprentissage et d'études dans les classes inférieures. Chers condisciples, lors de ma campagne, j'avais tenu une promesse en rapport avec l'organisation des activités parascolaires. Notre école, le complexe scolaire, a aussi pour vocation de nous offrir des études intégrales. Les activités parascolaires font partie de l'étude. Voilà pourquoi, avec l'appui des autorités de notre école, je vais organiser diverses activités parascolaires, tout en respectant le programme scolaire. Je demande à la ministre Gapira de réfléchir sur les actions possibles. Pour ce faire, nous comptons organiser le concours de danse pour les filles et les garçons, le football pour les filles et les garçons, le concours des questions pour un champion afin de tester nos capacités et améliorer notre niveau de culture générale, le théâtre et la danse, le concours de chant. Pour ce faire, j'instruis le ministre Apamoula de faire preuve de créativité et de faire vibrer l'école. Chers condisciples, je vais promouvoir la prise en compte du genre dans nos activités. Ceci veut dire que je vais faire en sorte que les filles et les garçons puissent avoir toutes les mêmes chances. Je vais donc accorder une importance à la participation. J'instruis le ministre Mikombe, ayant les genres dans ses attributions, de faire attention à cet aspect. Moi, votre présidente, je ferai de mon mieux pour que les fêtes de notre école soient une activité grandiose. Je vais donc demander à mes ministres de faire preuve d'innovation, d'imagination et de créativité. Nous avons besoin d'une école dans laquelle l'excellence est réellement notre destinée. Permettez-moi de vous rappeler la tradition aymardienne. Saint-Pierre Julien Aymar était un homme discipliné, un apôtre de l'Eucharistie. Ainsi donc, nos messes auront lieu dans la discipline et l'ordre. Comme je le disais, de la campagne électorale, être excellent, c'est être compté parmi les meilleurs. Tous ensemble, nous allons travailler pour que la conduite de chacun d'entre nous soit exemplaire. Nous devons être différents des élèves des autres écoles. Chers condisciples, pour clore ce discours programme, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à tous nos parents. Je remercie vos parents, les parents de chacun d'entre nous, pour le dévouement avec lequel ils veillent sur nous. Je vous prie d'applaudir les parents. Que vive le complexe scolaire Saint-Sacrement!
Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. On applaudit très fort la présidente des élèves. Un très bon discours. Très bien. Et c'est elle-même qui a écrit ça. C'est là où je suis content de... Monsieur l'inspecteur, chers collègues, chers enseignants, chers parents, invités, distingués invités, à vos titres et qualités, bonjour. Je prends la parole à cette fin de notre cérémonie de l'investiture du comité des élèves pour vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre disponibilité emblématique. Elles vont également à l'endroit de tous nos élèves ici présents. Permettez-moi de m'adresser uniquement aux élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement. Chers amis, pour votre participation et surtout pour votre sens d'écoute et d'attention soutenue, je m'en réserve et nous vous disons sincèrement merci. C'est par un choix libre et responsable que vous aviez fait à l'égard de vos collègues qui venaient d'être investis en les acceptant comme ceux qui pourront vous diriger. Faites-les confiance, facilitez-leur la tâche dans cette lourde charge qui les attend. Ils sont élèves comme vous, mais le fait que vous les avez placés devant vous, ils sont désormais pour vous des chefs, entre autres présidentes, ministres, etc. Respectez-les et montrez-leur qu'ils sont là pour vous, parce que vous avez confiance en eux et qu'ils peuvent vous guider à bien garder votre chère et belle école propre et à bien respecter vos règlements d'ordre intérieur. À vous, chers membres du comité des élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement, nommés membres du gouvernement, vous avez la charge de mener à bon terme toute la population scolaire du complexe scolaire Saint-Sacrement. Vous devriez être les bras droits de vos autorités, surtout sur la discipline et autres. Un bon chef n'est pas celui qui a toujours son bâton de commandement à la main, aussi et surtout celui qui sait porter le tablier et ses mains au travail. Ne soyez pas là derrière ces élèves qui sont vos petits en train de dicter ce qu'ils doivent faire, mais soyez vous-même des bons modèles pour eux dans tout. C'est en tenant la poubelle à la main que les autres s'approcheront pour mettre du déchet. Un chef, c'est celui qui doit donner des bons exemples. Il doit être respectueux, calme, poli, sage. C'est lui qui réunit, qui écoute et qui est responsable, etc. Au cas contraire, ceux qui vous ont élus peuvent vous destituer de ces pouvoirs. Chers membres du gouvernement, pour trouver de la valeur et du respect à l'égard de ces petits, vous devrez leur montrer tant d'amour et d'affection. Personne parmi vous n'a reçu le pouvoir de toucher ou taper sur quelqu'un. Celui qui le fera aura son sort. Quant au reste, nous vous félicitons pour votre courage et votre audace de prendre tous les risques en acceptant cette lourde charge. N'ayez pas peur, imposez-vous, donnez le meilleur de vous-même et cherchez à tout prix à garder l'identité de notre chère et belle école. Que vive le gouvernement des élèves du complexe scolaire Saint-Sacrement, que vive les pères du Saint-Sacrement, que vive la direction du complexe scolaire Saint-Sacrement et ses collaborateurs. Je vous en remercie. On applaudit la direction.
à la fin de la première partie de cette journée, Seigneur. Nous revenons encore vers toi pour te dire merci. Merci pour le déroulement. Et nous voulons aussi te confier la suite des activités. Continue toujours à nous bénir. Continue toujours à combler nos enfants de cet esprit de sagesse et d'intelligence pour qu'ils puissent grandir et qu'ils soient aussi demeurés et responsables au sein de notre pays. Confiant à l'intercession de la très sainte Vierge Marie et de notre saint fondateur, saint Pierre Julien Emma, nous allons dire « Je vous salue Marie ». Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et bonne fête à tout le monde.